Le lac se trouve dans la région de Dakar et à 37 km de Dakar-Ville. Présentement, le lac fait 5 km² et entouré par des villes, par plusieurs villages. Man nay Ablaye Sow après jogé ci nan dégolé après amna fa ben soxna ak 5 gos après fi la amé deuxième femme bi no fi ñew na pour liguey ñew ban pour ñew liguey pour dem lima wax dama am ben sama ben garam moma jëlé dék ba indi ma fi après man nekuma won moma jël indi ma fi après bi ma nek fi pour gardiner dama ñew après gaay ji sa dug ak genn may tam après ma dug bo ko may dal bima dem sax dañ ma lik gal ma ngi juddo gambe number 5 afdai dane ko da fo la juddo sama ay dafa gañu ñu top suñ ya bako suñ yaay ndey ak bay ñu senegal ñu top ci ko ñu senegal mo ñu senegalay man fi dama fi ñew rek am fi jëkkeur sama jëkkeur nak mo la tomu la top suñ tol ni rek man awma yaay awma bay ma xeye subatel gi ba ma xeye subatel sang sama wa keur dox la ñu lekki ma ñew fi nek fi ba 1h ma 5h ma wacc suma démé toga xalé ñu lekk lima liggé fi ci la toga xalé ñu lekk ba seen baye am joxum ma dem togal leen bu seen papa amul ma fi nek ma dé wuru dem togal xalé ñu lekk j'ai né en 1970 je me suis marié en 2002 ma première femme ma deuxième femme 2004, j'ai 9 gosses. Bon, lorsque j'étais à Pékin, pendant un an, j'ai entendu le nom de la grosse. Après, je suis venu avec un ami là pour visiter la grosse. Dans ce temps, lorsqu'on est venu visiter la grosse, j'ai vu le ciel, j'ai demandé les gens. Les gens me disent que bon, on crée ça ici. Tu peux avoir un peu d'argent. Je continue. Depuis ce jour-là, bon, 92 jusqu'à présent, 2015, je suis là. Je suis parti en Guinée deux fois seulement. C'est parce que ici, tu peux travailler nuit et journée. Mais bon, tu peux avoir un peu d'argent pour nourrir ta famille. Comme il n'y a pas de moyens, nous sommes croyants, nous on ne vole pas, on n'agresse pas quelqu'un. C'est pour cela qu'on est là pour en train de faire cesser notre nourriture. Paré na pour genn pour liguey après pour tibi korom dem jël sama gal après dugg ci geej bi toll na 1 km après wacce ci ndox mi commencé dajalé korom après def ci gal gi toll ak ñetti waxtu la fay def ma ngi dugg ci geej gi yor sama layan ak sama koloko ñu may tibbe korom bi ak asuka yi may assé gal gi ak bidon yi may nané té ngaade bi kab bi pour naaj bi la wér yi pour ndox mi la lu lay dugg ci gal gi bu mu duggé légui dama dugg ci ndox mi dem tibbi korom def ci sama gal waaw légui nap mbay mi ak cham mo di won acteur principal lolou dal lañ doon dund nap gi de temps en temps lañ ci doon dem presque li ci eppone sax daaw ñu ko nap pour jaay dañ doon nap rek pour ndawal ak yoy alimenter waaw dañu gis rek ben jour ñu xol jeen yi commencé di dé comme ñu doon def fele ñu ni fi ngay est-ce que amul xolom parce que ni la lak ya ndal ni la doon def de bo gisé mu jeen yi commencé dé rek commencé na fournir xolom légi nañ ko sét légui suñu yaay ak ñu ki ñeu testé ko dugg ci bir gis fi tank nak yi jaar nak yi bobu lañu fi tank nak yi jaar muy xawa congelé ñu dugg bi ci bir da di lamb da di gis xorom bi né xorom la né fofu lañ ko tuddé parce que temps bobu feulé ci bras bi bobu nak yi bari na bu nak yi xeyé dem nonu di fori bu ñuy jallat bu isposé dex gi lañuy traverser ci bir traverse bobu ñuy traverser nak dinañu gis tank nak yi bu jallé bu beccégué
day am xorom c'est décor bi gëna ñëw chaque année du taw lu bari ndox mi gëna wañéku ñu xorom bi di gëna genn ba ñu trouver né nak xorom la am à 100% da ngay casser ba sonn rek jël li nga soxal jël li nga mëna jël li def nga bayyi parce que man temps bobu bima doon liggéey dina am ben place bo xamné buma gassé buma creuser ba remplir sama gal ba paré buma ci taxawé damay fleurer fi may gas pax mo xamné mi tay pax bobu ma taxawé buma lalé duma lal ci band bi ci xorom bi lay taxaw ba tay. Scientists are saying that the Pink Lake is the most salty lake in the world, even because they always used to say that the Dead Sea is the most salty, and according to result of the scientists, in the Pink Lake you have 380 gram liters salt, containing salt, which is very different from the Dead Sea, which is 340 gram liter. Le lac présente des particularités marquées essentiellement par le changement de sa coloration, qui est un phénomène écologique assez extraordinaire. Ce changement, puisque le lac est pratiquement unique, ce changement de couleur en longueur de journée fait que du point de vue touristique, le lac attire beaucoup de touristes. What makes the water changes? There's a lot of hypotheses. it's difficult to believe to one, just because even people don't know what make the changes. Some people say is because of the drought. A long drought, because in the Sahel region, we are in the Sahel here, they have long successive droughts that makes also some stretch move of weather, they make them very dry. Other explanation, scientific explanation is, they also said that there is a kind of reflection of the dunes you see behind, these are photosynthesis, so they make also the color of the pink. There is other scientific also who explain about the bacterial things. Et c'est cette bactérie justement, c'est des micro-organismes, c'est des bactéries, c'est des algues qui ont justement, en contact avec la lumière solaire, sont à l'origine de ce changement de coloration. Ce qui fait que quand vous observez le lac de matin, la coloration n'est pas la même qu'à midi, n'est pas la même qu'en fin de soirée, justement parce qu'il y a des réactions de ces micro-organismes en fonction justement de l'intensité de la radiation lumineuse. And along the season also, I think the winter and the summer as where the colorful is very visible. And I think the main explanation is the sun. I think the sun is playing a very big role in the pinkness. Mais pour ñun dal, en tant que Sénégalais qui ñom pour ñun dal, phénomène bi c'est un phénomène de dieu et de sorcier. Wal yer bir yer ñu solli buñu solé dug dañuy di ngay diw jëk diw tank yi xam nga né comme ça karaw yi nek fi buñ duggé bir dox bo diwut après di am ay picc yi motax nga bo solé bo diwé ba paré da ngay sol pang pour ay du gaaw dañ ah way ici même quand tu travailles ici tu vas voir des plaies, tu connais des plaies, nous sommes même nous sommes africains quoi, tu vois, le reste là c'est rien quoi. On peut garder, on peut s'y tenir. C'est en Afrique. Si tu n'as pas le moyen, même si tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital parce que tu n'as pas le moyen. Comment tu vas faire? Il faut aller chercher les médicaments traditionnels quoi. C'est ça. C'est comme ça qu'on est en train de vivre ici. Hein. Moi personnellement, moi, pas du tout le monde. Du question tan damay wacc rek fu am korom rek
Je suis allé à la maison. Avant, vers 98, 99, 99, 2000, 2001, 2002, il y avait un outil qu'on appelle Djodj. C'est un long bâton qui a eu le chier, acier. On l'a créé avec ça. C'est qu'on appelle Djodj. Et on l'appelle encore, l'autre là aussi, c'est le Tamé, mais on l'appelle ça Nolof, Layan, avec une pelle et des bâtons. Le Serikai avec le Nyos. Le Nyos, cela veut dire, c'est ça qui est la direction. C'est ça qu'il va, tu vas amener avec la pirogue. Bon, avant, j'ai fait ces deux, trois pirogues par jour. Mais actuellement, je peux faire deux pirogues par jour actuellement. Parce que je suis commencé à devenir un grand-père. Je n'ai pas la force que j'avais avant. Je commence à perdre. Je suis allé à la maison. La bonne période pour avoir d'argent, la même période, décembre, janvier, février, trois mois là, tu peux travailler, avoir un peu d'argent. C'était pleuvé beaucoup, le lac même était rempli, il n'y avait pas de shell. 2014-2015 actuellement, il y a beaucoup de shell parce que ça avait pas, c'était pas pleuvé d'abord. S'il y a la pluie, tu ne peux pas gagner de shell. Si ça pleut beaucoup, tu ne gagneras pas de shell parce que le lac est rempli. Si le lac est rempli, tu ne peux pas arrêter. Il n'y a pas de moyen pour arrêter, pour cracher du shell. Parce qu'actuellement, Alhamdulillah, on peut dire Alhamdulillah, Dieu est en train de commencer à jeter encore, à avoir du shell. La vie apparaît comme ça, Fintoun Temenini. Mon la vie, mon Alhamdulillah, bin Ali. C'est ci kanam tous nak mom dañu am jafé touti jafé pour ndox jafé ci moy bo duggé ci canal bi kam mané man mi ndaw bu lag fess dootu mëna liggé bu déssé canal kam man dootu mëna liggé sama xal yépp dootu mëna liggé bu bo man dama commencé am ay jafé touti bu bo nak dama commencé djéma débrouillé ci tolé ba ci ciment bi rek lool dal la ci amuna yow. Je suis allé à l'école de Rafetna. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Voilà, le chrome de Rafetna. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis allé. Je suis allé à la maison.
ay 5h du matin dama am deux voyage budé ay 6h ay 6h 7h ben voyage rek lay def. Salaam Mohamed, waali Mohamed, jikum, jaakum, jetekum, bikkanojin, binnanojin, binna jamjam, kofan ahadun nimir namar, shidoni, bidoni, koci kuy fokum fotokum nous, bete bete gagne, darna darti yebdu ci yottu man, waye nak mam, deng lay ñaan, eh mami, mami, yaatu, eh mam, mami. Je suis un peu plus fort. 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 Sama gali mu fess legui soté ko na ndok moy kali après bo mu assent gali bi mu jeex après demay tourner ñibi après demay content moné boy ñoo ci ñibi da ngay kon ndax après da ngay xam da ngay reposer da ngay dem noppalu lool après do mu tax da ngay content da ngay demay sentir man dama content estay ndax paré na pour ñibi. Ma pirogue, je l'ai loué. Le pirogue ici, on le fait 130 000. 130 000, quoi, on fait le pirogue. Toute neuve. Bon, tu le loues par jour. Tu verses 5 bacilles. Chaque voyage. Quand tu vas, tu sors. Tu verses 5 pannes, 5 bacilles. Chaque voyage. Si tu fais 3 voyages, tu fais 15 bacilles. Tu fais 2, tu donnes 10. Tu fais 1, tu donnes 5. 5 bacilles. Chaque voyage, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est ici, bon, qui veut avoir
Le moyen de pirogue, quoi. C'est pas tout le monde. Je suis un peu plus jeune. Il y a trois trésors en bas. Parce que affaire bo jëndé li ngay jënd yépp ba paré li ngay am fofu ay 25 000 gën nga bari lo ngay am fofu am ko bari wul. Par exemple, du gaz qui est par la vidéo typique coronio, vous devez manger par moment watché, vous devez manger watché, vous devez ne couper par demain sept bien un femme watché moi, mais demain coffee, madame mon par mon du ma coffee moi, on d'après mon par major lep ma coffee, madame mon mon mais ne casse rien mais vous m'ouvrez pour dire bien un qui est comme ça bien gal vous du gaz vous gagne beaucoup watché mon dernier beaucoup watché, de yola il parle mon dernier qui est mandé na dugu animé dugu barout da na ci djel bobu non ci djel yi la nek rek lina dugu nak leg leg bu mo lo pro ñaari fan ma dugu ben fan après ma demat xale ci djel bo ndax après dañ fa ki dañ fa ligue dem fa ligue dem fa absonne pour ligue. Non, je ne sais pas si je suis premier. Je ne sais pas si je suis le premier. Je ne sais pas si je suis le premier. Si je suis le premier, je ne sais pas si je suis le premier. Si je suis le premier, je ne sais pas si je suis le premier. Si je suis le premier, je ne sais pas si je suis le premier. Si je suis le premier, je ne sais pas si je suis le premier. Si je suis le premier, je ne sais pas si je suis le premier. Si je suis le premier, je ne génné korom souti sama palace lég lég ma manké dépasse demay dugg génné korom jaay dépasse ko lolou ma indi affaire ñi koy jënd sama dikoy jënd affaire car ñi client ñi joggé côté Côte d'Ivoire côté joggé Côte d'Ivoire Mali bénn côté yoy fa ñokoy jël ci encore ñun mom dañu soti suñu bop bu ñi manké dépasse ci lañu jaay appareil dépasse.
une bonne question quoi. Nous on rentre à l'intérieur pour aller chercher du sel. Il y a des commerçants qui se trouvent ici. Arrivé au bord de Tefes, bon, tu le décharges. S'il va acheter, il va te dire, hey, avant de mettre le sel, vous discutez, vous tombez d'accord. Des fois, quand il fait descendre, deux jours, trois jours, il te paye. Des fois, une semaine avant de te payer quoi. Parce que s'il n'y a pas de sac, eux aussi, ils ne gagneront pas de moyens pour te payer quoi. Mais s'il y a des sacs quand même, comme il y a le sac aujourd'hui, quand il fait descendre aujourd'hui, on te paye aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de sac, tu le fais décharger aujourd'hui, bon, tu restes 3 ou 4 jours. Arrivé de sac, s'il loge, il prend son pénibus, après il te donne le reste. C'est comme ça qu'on travaille ici. C'est le commerçant que je dis, le commerçant qui se trouve au bord de Tefes. Nous, on est là pour créer le sel. Maintenant, bon, chacun avec son client. Je viens comme lui, toi. Tu me dis, Ibrahim Souri, viens là, verse-moi ta sel ici. Quand je verse le sel, le jour que tu loges, après tu me payes mon argent. S'il n'y a pas de sac, j'ai pas de moyens pour te dire, donne-moi mon argent. Toi aussi, tu ne gagneras pas sans sac. Tout le monde a espéré des sacs. S'il n'y a pas de sacs, il n'y a pas de travail ici. Parce qu'il y a des difficultés. La 97 la jëk ñew jënd di dugg ndox mi di tibbu xorom di jaay ba légui ni mo mujj duggatuma ci xorom ci damay jënd di jaay di jënd di client bana bi ñëwé ma solol ko keneen ku bëgg xorom te bëgg fi di bëgg Burkina be yi di Bénin Côte d'Ivoire Pékin dali for ñi bëgg xorom yépp ku ñëw rek ma jënd jaay xo jaay la xorom lo rek lay lék fi boba lék. Ah, dama doon ñëw fi di liggéey ci biir ci ndox mi di liggéey ba fi yàgg rek sama benn grand laa fekk muy liggéey xorom bi ba yàgg mu ne ma léegi liggéeyal xorom bi pour jënd mu daan dugg si biir di liggéey xorom. Non dama fayuma comité bi de dama ñëw rek sotti fii dama soasir fii di fi sotti at nag fii lay sotti ba may commencé liggéey ba léegi fii rek lay sotti mais boobu ba tey fii rek lay sotti mbaar mi sama mbaar la bële itam sama mbaar la pour toog buy taw ñu dugg ci mbaar mi bu tawul ñu ne fii féexlu ci lool rek la nekk booba léegi. Vous savez, quand le sel est apparu en 1980 jusqu'en 1994, le lac n'était pas organisé. Certains commerçants venaient prendre le sel à crédit. Et vraiment, ça portait préjudice aux exploitants. Donc, l'idée de s'organiser pour mieux tirer profit de la ressource du sel est venue. C'est ainsi qu'on a mis en place le comité de gestion qui est composé de 5 villages, de 18 membres. Le comité est chargé de stabiliser les prix, d'homologuer tous les prix, parce que partout l'Europe, parce que c'est le même prix. C'est ça pour lutter contre, c'est pour faire la concurrence aux autres producteurs de sel au Sénégal, dans la zone de Kaolack, Fatigue, il y a beaucoup de sel là-bas. Donc il y a un seul site au niveau du lac Rose. Donc, deuxièmement, le comité a fait de telle sorte que pour fixer la clientèle, on a fixé plusieurs fournisseurs ici au niveau du lac. Mais en même temps, on a fidélisé la clientèle. Si tu commences à traiter avec lui, ça reste fidèle. Chaque jour, si tu viens commander du sel, tu vas directement chez lui. Et la commission est le garant entre lui et le fournisseur. Quand on forme le comité de gestion, les gens sont réunis, on a dit qu'on a besoin d'un tel nombre. Chaque village, les villages sont différents, il y a 5 villages, mais il y a les villages qui sont plus peuplés que les autres. Et en général, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les bureaux? Parce qu'auparavant, je vous dis que dans les villages traditionnels, quand les gens s'organisaient pareillement, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ces organisations. C'est le cas du comité de gestion. Quand on formait ça, c'était le temps où les femmes n'étaient pas tellement organisées comme elles le font présentement. Ici, présentement, travaillent presque 2000 personnes. Parmi ces 2000 personnes, on trouve plusieurs nationalités, mais aussi des Sénégalais. Il y a des Sénégalais d'ici, mais aussi des Sénégalais de l'intérieur. Il y
as aussi des étrangers comme les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Ivoiriens, toutes ces personnes travaillent ici. Ça, c'est pour l'élaboration des badges. Chaque extracteur donne 3000 francs et deux photos, c'est pour l'élaboration des badges, mais pas pour la caisse de la commune. Participer à l'édification des mosquées, à l'achat de médicaments pour les postes de santé, à régler certains cas sociaux dans les villages. Ça, c'est pour, comment dirais-je, les revenus sont destinés à ça. Je suis venu à la maison. Au lac Rose, nous arrivons à exploiter 40 jusqu'à 60 000 tonnes par an. Mais ces 40 000, 60 000 tonnes par an ne sont pas destinées à la consommation locale. Il y a une partie qui est destinée à la consommation locale, parce qu'il y a les industries qui utilisent le sel, les poissonneries, les tanneries, des choses comme ça. Mais l'autre partie est exportée vers dans la sous-région, comme la Guinée, les deux Guinées du moins, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, tous ces pays s'approvisionnent en sel à partir du Sénégal. One of the subjects of interest for me will be the salt is sold in the sub-region and even in Europe, because they even told me that the salt is used for ice in France or in Belgium, you know, in the winter. So I would like to know this kind of big trade and circuit going from the Pink Lake to Europe. Notre ambition principale, c'est de pouvoir exporter notre propre production. Parce que là, on ne peut pas avoir cette production, attendre des gens qui peuvent venir et qui peuvent ne pas venir. Donc la meilleure solution et la meilleure vision, c'est de trouver des voies et moyens pour exporter notre propre production. Là, ça va nous permettre de mieux vivre de notre ressource. Ça, on est sur la voie, on est en train de chercher des partenaires. Ça, c'est une vision. Ça, tu peux dire que c'est un challenge pour le comité de gestion. Aussi, je peux vous expliquer aussi Kayar, c'est le premier port de pêche artisanal du Sénégal. On était jumelé avec la ville de Lorient et les pêcheurs, ils partent 6h du matin de très bonne heure et maintenant ça commence juste à rentrer. Le poisson comme des anguilles de mer, avant de le chercher, ils le mélangent avec le sel du lac Rose pendant une semaine, deux semaines. Le poisson-là, ça part au Niger. Et en Côte d'Ivoire et de Burkina Faso parce qu'ils n'ont pas la mer. Avant de la Croix, on était là à Lactalma. Lactalma, c'est à côté de Djendjer, vers un petit village qui s'appelle Djendjer, Lactalma. C'est là qu'on emmène le sel avant de la Croix. Maintenant, on ne veut plus aller là-bas parce que c'est très loin. Maintenant, c'est la Croix qui est tout près. Le sel, avant de mettre le sel, on met le poisson. L'intérieur, après, on va prendre le sel. On le laisse pendant deux jours. Après troisième jour, on le vide. Après, on le mélange avec le sel de la croix. Après, ils le font sécher. On fait comme ça. Bon, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais des tableaux de sable. Oui, le premier jour que un touriste a acheté mes tableaux, j'étais très content. Parce que je sais que ce n'est pas beau, mais il l'a acheté. Donc depuis lors que je suis en train de continuer mon travail et je le fais tranquillement. Je dessine toujours des femmes, quoi.
je suis en train de lancer un appel pour les femmes, quoi. Parce que moi, j'aime bien les femmes et j'aime bien aider les femmes. Mais comme je n'ai pas les moyens pour les aider, je dessine les femmes porteuses, les femmes qui portent de l'eau, les femmes porteuses de bois, les femmes qui font qui cuisinent, les femmes qui pilent le mil. Parce que c'est un travail dur pour les femmes, quoi. Donc c'est pour cela que je lance un appel pour tout le monde, quoi. Pour que les gens savent que les femmes africaines, elles sont vraiment très fatiguées, quoi. C'est pour cela que je fais toujours des femmes. Parfois, j'ai fait des villages de pêcheurs et des lacs roses. Comme les touristes aiment bien acheter les trucs de lacs roses. Et c'est ça que je fais pour gagner quelque chose pour amener à la maison, quoi. Pour gagner quelque chose de l'argent pour ma famille, quoi. Sinon, je ne dessine pas autre chose, quoi. Lorsque je suis en train de faire un tableau de sable, et je fais comme ça, vous voyez ça. Ça, c'est le lac rose. Mais vous voyez, derrière le lac, on a planté les arbres pour fixer l'avancée des dunes. Oui, ça, vous avez les dunes qui ont fait la séparation du lac et de la mer. Ça, vous avez les ramasseurs de sel. Vous voyez cette barque-là. Et là, c'est des femmes qui déchargent les barques. Parce que moi, nous, on travaille ici difficilement. Quand je finis mes tableaux, mais au bord du lac, parce que les touristes, ils s'arrêtent un peu partout dans le lac, quoi. Quand il y a des touristes, ils s'arrêtent un peu partout. Mais dès que vous avez vu des touristes au bord du lac, tu vas aller directement sur eux, essayer de négocier, exposer tes tableaux par terre pour essayer de vendre, quoi. Il y en a qui aiment bien les tableaux de sable, surtout les Italiens, les Espagnols, ils aiment bien les tableaux de sable. C'est un travail très dur, quoi, parce que les gens, ils n'achètent pas beaucoup et seuls les touristes qui achètent nos tableaux, quoi. Mais s'il n'y a pas de touristes, nous, on ne peut pas travailler, quoi, parce que c'est de la galère, quoi. Alors, nous nous sommes connus en France. Nous avions le même rêve de vivre en Afrique. Donc, nous sommes partis pendant un an en camping-car en Afrique de l'Ouest pour trouver l'endroit où nous installer. Et par opportunité, nous sommes tombés sur ce terrain au Lac Rose au Sénégal. C'est quand même un pays de la Taranga où les gens sont vraiment très courtois. Ils ont bien accepté. Ensuite, j'ai oublié. Le quotidien, ici, nous avons donc décidé d'ouvrir une maison d'hôtes. La moins bonne saison touristique, c'est de juillet à novembre inclus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à la saison des pluies? On s'occupe de toute la maison, de tout ce qui est les réparations, de tout ce qui... Il y en a beaucoup à faire. Des herbages. Parce qu'on a très peu d'employés, donc... Là où il a eu son heure de gloire, c'est pendant le rallye Paris-Dakar, qui effectivement a fait connaître cet endroit. Le rallye ne venant plus en Afrique... Le lac, de toute façon, à un moment donné, il était au milieu, là, en face de la maison. Il avait disparu. Non, je pense pas. Puis après, voilà, on n'est pas qualifié pour ça. Et j'espère qu'il disparaîtrait pas. According to the studies I have read, they said in the beginning of the 20th century, the lake has a kind of 8 kilometers square. It was very big. Then in the mid 1970s, they were talking about 3.5 kilometers square. From that, I haven't seen any statistical data that explain this. But if I can judge from my eyes, we can say now around 3 or 2.5. Cette pression s'exerce aussi bien sur le potentiel en sel. Les quantités, je n'ai pas de chiffres, mais les quantités sont énormes.
alors que le potentiel, me semble-t-il, n'est pas bien connu. Donc on puise sur un potentiel qui n'est pas très bien connu. Impact, c'est la pression qui s'exerce sur la végétation. Donc le maraîchage, il y a de plus en plus de maraîchage, notamment au niveau des zones de résurgence. Vous savez, l'organisation, la mise en place du comité de gestion a beaucoup contribué à la préservation du lac. Parce que non seulement le comité veille sur la récolte du sel, mais aussi il veille sur l'environnement du lac. Ce qui nous a poussé à observer des fois un repos biologique, c'est pour limiter un peu l'extraction abusive et pour permettre aux gens de ne pas creuser pour extraire du sel qui n'est pas de bonne qualité. Ça pose problème. Mais grâce à la mise en place du comité de gestion, nous sommes arrivés à éradiquer toutes ces méthodes. Il y a évidemment un gros risque. Vous connaissez la zone des Niaï est caractérisée par cette dynamique des dunes qui ont dû être fixées par ce grand projet sur les fils à eau qui commence de Dakar à Saint-Louis pour fixer les dunes. Le risque ici, comme les dunes font l'objet malheureusement d'une forte exploitation. Bon, on alerte les autorités, on n'a pas les moyens, on alerte les autorités. Parce que vous savez, tout au long du lac, il y a l'agression du bassin versant. Le service des mines délivre des autorisations d'extraction de coquillages, on creuse partout. On interpelle à maintes reprises, mais les autorisations continuent à tomber. Voilà, sur les dunes, on a besoin de notre rideau pour casser la force du vent, pour éviter l'avancée des dunes. Les 4x4, les quad passent n'importe où, la voie n'est pas réglementée et ça crée un ensablement. Ce sont ces facteurs-là qui risquent de faire disparaître le lac. As you know, in UNESCO, they have different type of heritages. They have something they call the tentative list of heritage. So tentative means they are politically, they want to put it in the UNESCO list or to be a heritage for the humanity. So that means they start the process, but they are in the process. And this is start in 2005. But I guess I haven't heard any news from that, but I guess they are still in the process because it takes a while. For UNESCO because they need experts, the reasons, the motivations, why they want to do so. And I think only the environmental issue is a big deal, you know, is a big issue to preserve this lake and to make it like a heritage. Certainement hein, que le comité de gestion et le gouvernement font de leur mieux pour préserver, disons, ce lac. Voilà, je crois qu'il est de notre intérêt, hein, de par l'importance de ce lac, de fournir des efforts pour le préserver. Mais il m'a semblé que ce qui manque, c'est vrai que c'est important d'avoir un comité qui gère le lac, mais si on n'a pas un comité scientifique. C'est pas le rôle du comité, c'est le rôle du gouvernement. Parce que le comité ne peut pas créer un rideau vert, ça c'est le rôle du gouvernement. Le comité ne peut pas interdire les gens d'extraire, comment dirais-je, les coquillages. C'est le rôle du gouvernement. Donc il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas, qui doivent concourir à la protection, comment dirais-je, du lac et qui ne dépendent pas directement du comité. C'est du ressort directement du gouvernement, d'autant plus que l'environnement. Yeah, I think the government should do more to preserve the lake. It's not just enough to put a lake in a tentative list of heritage or preservation like UNESCO. I think more action is needed in terms of preserving the nature. Like if it would be me, like somebody having authority in the government, I would put like an eco museum here for the nature, for the salt, all these kind of things that will be very interesting for the tourism, and then a kind of team that will help the commission to preserve the lake.